C'est un match que j'attendais moi aussi. Hein. Dès que j'ai signé ici, c'est la première chose que j'ai regardée sur le calendrier, c'est la date de ce match. Donc je l'attendais avec impatience et je suis très heureux de pouvoir jouer. Je suis plutôt allé les voir sur place contre Strasbourg et contre Lens. C'est qu'ils sont quand même très solides, mais que sur les deux derniers matchs, ils ont eu beaucoup de mal à produire du jeu. Je pense que quand ils ne produisent pas de jeu, ils sont un peu plus en difficulté. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir essayer de faire ce week-end. Essayer de produire plus de jeux qu'eux, parce que si on leur laisse le ballon, c'est là qu'ils sont performants. Après, ils ont aussi beaucoup de mal contre les blocs bas, mais je pense pas que nous, on va défendre pendant 90 minutes. Donc, va surtout falloir les prendre sur la possession du ballon, je pense. C'est un match très important, oui, parce que déjà, d'une part, si on gagne, on peut doubler notre adversaire direct. Donc, ça c'est bien, c'est pas négligeable. Et puis oui, tout en n'étant pas régulier, on n'est pas décroché. Donc voilà, là, face à un concurrent qui est un peu dans la même situation que nous, ça peut être un tournant pour la suite et nous mettre en confiance aussi pour les 10 derniers matchs qui vont suivre après. Les qualités pour aller au bout, on les a. Après, je pense qu'il va surtout falloir, comme j'ai dit, retrouver notre fond de jeu. C'est ce qui nous permettra d'être régulier parce que pour être performant dans le championnat, il faut faire une série. Et si on ne retrouve pas notre fond de jeu, ça va être dur de faire une série. Ça va être dur de gagner par des exploits individuels. Donc il faut vraiment collectivement retrouver notre fond de jeu. Les textos ont fusé toute la semaine. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment bonne ambiance, vraiment du bon côté. Après, j'ai des joueurs avec qui je suis très proche, que j'ai souvent au téléphone. Capitaine Thomas Mokondju, on s'échange très souvent par texto et on s'appelle très souvent. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, c'est un ami. Donc oui, ça chambre pas mal quand même. Bon, de toute façon, après, une fois que le match se joue, voilà, c'est voilà, plus d'amis pendant 90 minutes. Hein, comme j'ai dit, les soirs, ils seront avant et après le match.